Bonjour et bienvenue à DDF, la toute nouvelle sensation du web. Pour ce tout premier épisode de ce qui deviendra assurément une série culte, nous étudierons un phénomène bien connu chez les losers, l'invisibilité. Pouf! Comme ce que nous venons de faire il y a quelques instants. Voilà, c'est ça le pouvoir d'un loser. Mais la seule question est-ce que c'est cool qu'il y paraît? Non. Pourquoi? C'est vrai que ça, tout d'abord, faut nuancer les choses. Ça a l'air génial d'être invisible. Pouvoir espionner les filles après un match de volleyball dans leur vestiaire. Mais après, faut pas se faire boire, hein. Mais des filles. Ou encore, voler des choses à la cafétéria sans que personne vous voit. Il serait donc génial de pouvoir se rendre invisible à volonté. Mais par contre, les losers n'ont aucun contrôle sur ce pouvoir. Ça pourrait arriver aussi subitement que de demander l'heure à une fille. Excuse-moi, est-ce que t'as l'heure? Excuse-moi. Demander l'heure à une fille. C'est pas si grave, mais quand tu prends ton courage à des mains pour lui demander de sortir avec, puis le mode invisible est activé, c'est chiant! Bon, ça y est, je suis confiant, je vais demander à son, Ouais. Je vais demander ça. Certainement, oui ou non? Allô? Allô? Mais le pire des cas, c'est dans les situations extrêmes. Il y a un feu, tu devrais te sauver! Il y a un feu! Qu'est-ce que tu fais? Ou encore? Aide-moi! Par contre, et c'est comme ça qu'on se rend compte que Dieu n'aime pas les losers, notre pouvoir d'invisibilité se désactive automatiquement si... Cette vidéo d'une banalité totale n'avait qu'un seul et unique but, vous sensibiliser à la vie des losers. Alors les filles, quand vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre épaule ou vous entendez des voix, tendez l'oreille, c'est peut-être un loser qui vous parle, qui est en mode invisible. Et si toi aussi tu veux être invisible comme nous, rejoins notre page Facebook! I don't think my ears are plugged enough.